like you ever felt. Are you listening? Damn. Coucou les filles, bah écoutez, aujourd'hui je vous reviens pour une vidéo parure AliExpress. Oui, parce que certaines fois j'achète des ensembles complets, donc boucles d'oreilles, colliers, bagues, qui sont assortis, comme ça j'ai moins de soucis pour les agrémenter les uns avec les autres. Donc on va commencer tout de suite par quelque chose que j'ai acheté pour ma maman, donc qui n'avait pas de verre en termes de couleur de bijoux. Donc en fait, je vais vous montrer. Elle n'a pas pris la chaîne, donc c'est un pendentif qui vient tout seul. Voilà, ça donne ça. Qui est vert et argenté. Qui est hyper joli. Et qui vient donc indépendamment de la chaîne. Mais vous pouvez très bien prendre une chaîne vénitienne qui ira très bien avec, hein. Moi, je vous conseille cette chaîne-là parce que c'est vraiment physiquement la plus belle. Ensuite, elle a une bague en taille 9. Qui correspond en fait au pendentif. Et elle a aussi une paire de boucles d'oreilles avec fermeture vous savez, les fermetures, les loquets sécurisés là, qu'on peut pas ouvrir comme ça, vous voyez. Donc là, ben, en gros c'est le cas. Et à l'oreille, ça donne ça. Donc je la ferme pas, mais en gros ça donne ça. Donc en fait la parure est vraiment très jolie. Et après bon, bah, ma mère a une cinquantaine d'années. Ouh là là, 10 ans de moins. Ma mère a quand même de la bouteille. Et elle met pas forcément les trucs de pretty little girl. Pas les trucs de petite fille. Mais du coup là elle a vraiment trouvé. Alors c'est relativement plus cher que ce que j'ai l'habitude d'acheter d'habitude. Habitude d'acheter d'habitude, d'accord. Et donc, vous pourrez ne pas adhérer au prix, mais après, c'est de la très bonne qualité, je le vois bien, hein. Donc là, il n'y a pas de souci. C'est un peu comme ma bague que j'ai payée 18 $, enfin 18 euros, et dont je ne regrette pas l'achat. Parce que franchement, une qualité pareille, ça se trouve aussi sur AliExpress, pour moins cher que ce que vous auriez en magasin européen. Je passe maintenant à une parure que j'ai commandée. Je sais même pas pourquoi j'ai commandé ça, parce que honnêtement, je porte pas d'or, mais là, bon, du coup, la chaîne était sympa, le modèle était sympa, donc du coup, je me suis lâchée. Donc, c'est une barre comme ça. Bon, je me dis, en même temps, j'en ai pas, donc ça fait l'occasion d'en porter. C'est une barre comme ça, et les boucles d'oreilles sont assorties, en fait. Tout simplement. Alors, faut dire que je trouve les trous, quand même, ce serait mieux. Voilà. Non, c'est pas le bon, parce que j'en ai 3. Donc voilà à quoi ressemble la parure en fait couleur or que je viens, enfin que j'avais acheté il y a un moment déjà. Et donc je trouve que pour une soirée où c'est où t'as de l'or, où t'as du doré, ben, c'est plutôt joli. Mais il existe en argenté, hein, et ça c'était dans les débuts d'AliExpress, donc je l'ai payé vraiment plus cher que ce que je pourrais le trouver maintenant, étant chevronné et connaissant les endroits où aller sur AliExpress, quoi. Je me laisserai plus avoir sur des prix qui sont plus chers dans les best selling que voilà quoi. Donc il faut savoir un petit peu chercher pour trouver le moins cher. Là bon, c'est tout, c'était un super deal. Maintenant je sais que les super deals c'est pas forcément les deals les moins chers, tout simplement. Mais les boucles d'oreilles toutes seules sont, elles sont plus belles portées que quand on les voit comme ça en fait. Quand on les voit comme ça, elles font cheap, elles font pas très 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 belles. Mais portées en retour caméra, j'ai l'impression que c'est pas mal. Donc voilà, c'était ce petit achat-là. J'ai pas eu quand même cher, hein, donc ça va encore. Mais bon, c'est pas non plus top qualité. Enfin, c'est tout, c'est pas grave, hein, franchement. Honnêtement, pour le prix AliExpress, c'est AliExpress. Hein, on sait à quoi s'attendre. Ensuite, une parure que j'ai mis aujourd'hui qui n'a pas bougé, qui ne m'a pas gratté, qui ne m'a pas serré le cou en fait quand je l'ai porté. Après, le seul petit bémol, c'est que ça tourne un petit peu quand on le met, mais après pas quand on le porte, donc ça c'est un avantage. C'est un collier comme ça, il est magnifique. Franchement, quand je l'ai vu en photo, j'ai trop kiffé. Alors le seul truc, c'est que ma boucle d'oreille est arrivée
tordue. Mais après, peu importe, je la porte quand même comme ça, plutôt que de la tordre dans l'autre sens et qu'elle casse. Donc voilà ce que ça donne. Elle est, cette parure est magnifique. J'ai pas eu mal aux oreilles jusqu'à présent, donc bonheur pour moi. Je l'ai pas payé trop cher et regardez-moi cette beauté. Elle donne trop envie ces boucles d'oreilles et je trouve que franchement, regardez, il faut pas plus quoi. Cette parure est magnifique. Honnêtement, elle est magnifique. Donc moi aujourd'hui, je l'avais avec un col roulé, donc elle est tout aussi magnifique avec un col roulé que avec voilà toi-même, tu sauras ce que je veux dire, hein, parce que là, le mot ne me vient pas. Avec un décolleté, voilà ce que je disais. Donc voilà, pour ça, franchement, c'est un top. Après, j'espère que ça ne me fera pas trop mal aux oreilles et que j'aurai pas d'allergie, etc. avec. Mais j'ai adoré. On passe à un petit achat compulsif que j'ai vu, vous savez, dans les suggestions sur tablette, que j'ai trouvé pas mal. Et bon, c'est tout, hein, c'est du strass collé. Hein. C'est pas de la grande qualité, ça c'est sûr. Il n'y a pas de sertissage. Mais pour le prix, et puis ça fait quand même, hein, une belle parure. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Je regrette pas, parce que honnêtement, regardez, ça fait trop mignon. Alors peut-être pas pour une femme de mon âge, hein, parce que clairement, ça fait petite fille. Mais ouais, pour plus jeunes et qui osent le bling bling, etc., ça fait vraiment la blague. C'était pour le prix, valait. Enfin, moi j'ai craqué parce que le prix était pas. Mais surtout pour les boucles d'oreilles, parce qu'elles me faisaient vraiment envie. Donc voilà. Et puis le bleu, j'en avais pas énormément, donc j'ai craqué pour ça. Je regrette pas, franchement, même si c'est pas top qualité. J'attendrai de voir si ça tient sur le long terme. Ensuite. Alors un top, mais un top aussi de chez Top. Ça, c'est une parure que j'ai achetée, que je ne regrette pas. J'ai mis le temps à la tester, à la porter. Mais alors, il est trop beau, ce pendentif. Il est trop, trop beau. Je l'avais mis avec une chemise, je crois. Et je me suis rendu compte cette parure est magnifique. Vraiment magnifique. Donc après, c'est des boucles d'oreilles, vous savez, avec... cette parure est magnifique. Dites-moi en commentaire si elle vous plaît autant qu'à moi, parce que vraiment, je pensais pas en la recevant qu'elle serait si belle. Je pense que si je la trouve d'une autre couleur, je la prendrais. Mais là, avec un reflet, avec des reflets bleus et violet, parce que c'est les reflets violets, voilà, cette parure est magnifique. Je vous la conseille, franchement. Vous pourrez certainement la trouver moins chère que moi je l'ai eue, hein, parce que c'était au moment où je ne savais pas encore utiliser trop AliExpress. Mais foncez, regardez, avec un chignon, ou regardez-moi ça, c'est trop joli. C'est trop, 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 trop joli. Donc, je ne regrette pas du tout. Je les ai portées plein de fois. Et elles me font pas mal aux oreilles et visiblement elles tiennent bien. Ça a pas l'air d'être vraiment de la cacaille, donc la seule chose que je demande, c'est que les strass ne se décollent pas. Après, j'en suis ravie, franchement ravie. Alors ensuite, une parure, bon, après là je suis mitigée, parce que sur alors c'est quand même une parure, hein. Il y en a quand même, il y a quand même 4 pièces. Il y a collier, il y a bague et il y a boucle d'oreille. Donc faut pas négliger, voilà, qu'il y a plusieurs pièces à l'intérieur de la commande. Je vais vous montrer ça tout de suite. Mais je trouvais ça plus joli sur la présentation que en vrai. Ça, en vrai, je trouve ça gros. Je pensais pas que ce serait si gros que ça. Je suis un tantinet déçue, mais bon, en même temps, c'est de la grosse pièce. C'est pour celle qui se la pète, bling bling, machin, pipiche, voilà quoi. Donc voilà, la bague, qui est somme toute énorme. Voilà, avec des reflets. Alors là, c'est des reflets vert et rose. Les boucles d'oreilles et le collier. Donc là, ça peut ne pas plaire à tout le monde, j'en suis consciente. L'avantage, c'est qu'elle est assez grosse pour que je la porte au majeur.
Après, faut savoir ce qu'on veut. Je pensais pas que ce serait si gros, je vous avoue. Mais après, c'est des choses que je porte relativement bien aussi. Je n'ai pas peur. Et vu que en général, je surlève un petit peu mes cheveux, c'est des choses qui passent très bien dans une soirée ou quand on va chez des amis et tout. Ça fait quand même un effet. Ça fait quand même son petit effet, quoi. Ça, il n'y a pas de souci. Et oh, j'arrive jamais. Vous voyez, j'arrive jamais à décrocher les trucs. C'est un truc de dingue, ça. Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Dites-moi si vous, ça vous fait la même. Il faudrait que j'ai un assistant, en fait, pour me décrocher les chaînes. Donc voilà. Après, c'est vrai que je les ai portés quand même pas mal. Ça n'a pas bougé. Donc ça, de ce côté-là, je peux pas me plaindre. Mais c'était pas vraiment ce que je pensais avoir dans le colis. Ensuite, on passe. Est-ce que j'ai encore beaucoup de choses à vous montrer? Quand même, il m'en reste trois parures à vous montrer. Donc, j'avais commandé ça. Vous savez, les trucs Swarovski là. Donc, enfin, c'est aimanté et ça vous fait. C'est un truc. Vous pensez que c'est élastique, mais pas du tout. Et en fait, c'est censé être Swarovski. Vous savez, les filets avec Swarovski dedans. Alors, moi. Le bracelet, ça peut passer. Voilà, comme ça. Et j'avais commandé le collier qui allait avec. Sauf que le collier. Alors voilà, ça donne ça. Sauf que là, ça fait collier de chien, quoi. Mets un pouce en l'air si tu penses la même. Hein. Comment te dire? Médor, viens ici! Donc non, je le mets jamais parce que j'ai pas envie qu'on se foute de moi, quoi. Tout simplement. Alors, le bracelet, oui, éventuellement. En plus, je crois que ça coûte une blinde en bijouterie. Donc oui, pourquoi pas. Mais alors, le collier Médor, non, c'est pas possible. Ou alors, je l'offrirai un jour à un chien que je connais ou je sais pas. Mais ça, ou alors, faut que je maigrisse. Et à ce moment-là, ça tombera un peu. Mais bon. Pour l'instant, ça. Alors, dites-moi en commentaire hein, si vraiment c'est dans ma tête ou si c'est portable. Mais franchement, je pense pas. Donc, j'abandonne l'idée. Ensuite, j'ai un autre petit set à vous présenter. Donc, cette vidéo sera un peu plus longue que les précédentes hein, parce que du coup, il y en a pas mal. Donc, là, c'est des gouttes d'eau que vous avez dû certainement voir dans pas mal de hauls. La parure n'est pas chère du tout. Et c'est tout de suite des choses qui sont portables pour la majorité des personnes. Parce que c'est des choses qui sont passe-partout. Et quelquefois, voilà, quand on est passe-partout, bon, voilà quoi. C'est un peu des opales, je sais pas si on dit opale ou quoi. Et en fait, c'est des gouttes d'eau. Et puis, du coup, j'ai le collier aussi qui va avec. Je ne l'ai pas payé cher, donc en rechange. Mais je pense quand même que les boucles d'oreilles toutes seules sont plus belles qu'avec le collier. Je ne sais pas ce que vous en penserez. Moi, j'aime bien avoir vos avis là-dessus. Hein. Franchement, hein, n'hésitez pas. Je pense que les boucles d'oreilles sont beaucoup plus jolies que le collier. Je sais pas ce que j'ai en ce moment dans les parures. Je trouve toujours que les boucles d'oreilles sont plus belles que le collier. Bon, après, c'est dans ma tête. Hein. Ouh là là, je suis peut-être pas toute seule là-bas. Hein. On est au moins. On doit être 6 avec le chien. Hein? Parce que j'ai pas de chien dans la vraie vie, mais alors là-dedans, il y a chien, chat, âne, chevaux, canard, poule, tout, 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 on est beaucoup. Hein? Ah ben non, ben ça fait plus que 6 alors. Donc voilà, donc là j'essaye d'ouvrir, hein, comme d'habitude, hein, j'y arrive pas. La fameuse parure qui correspondait au même vendeur que les autres boucles d'oreilles dans un autre hall. Rose, voilà. Mais celles-là, elles sont couleur galaxie. Tu vois le truc? Alors, bon, pour quelqu'un de mon âge, ça faisait pas comme sur la photo. Donc, bon, c'est tout maintenant que je l'ai. Comment te dire que je vais le mettre quand même, mais ce sera pas souvent, quoi. Ce sera en fonction de ce que j'ai à mettre. Si je trouve le trou, ce serait mieux hein, quand même. Donc voilà, ce sera en fonction de ce que je mets la journée. La chaîne par contre, est pas mal. C'est une chaîne un peu. Je pourrais même pas vous montrer quoi.
C'est des maillons, ils sont tout recroquevillés sur eux-mêmes. C'est une chaîne pas mal du tout, j'aime bien. Après, le médaillon, voilà, ça fait galaxie, quoi. Voilà, galaxie. Que vous dire ? C'était pas si cher que ça, et franchement, quand j'ai vu la photo, je l'ai trouvé beau. Et en vrai, voilà, je trouve qu'en vidéo, ça donne bien. Mais quand je le regarde en vrai, je me dis, ça fait ado de 14-15 ans. Mais après, c'est que mon avis, parce que des bijoux comme ça, en fait, c'est comme les fringues, les bijoux, en fait. C'est quand on les voit comme ça, on n'a pas l'impression, mais dès que c'est porté, ça donne tout de suite un truc... Enfin, je sais pas. Je sais pas si c'est moi ou si vous pensez la même chose. Mais il y a beaucoup de parures que en portée, ça va. Mais en regarder comme ça, quand tu regardes le produit, tu dis, bon, ben, c'est pas très... Alors, j'ai gardé mon gros coup de cœur pour la fin avec, vous savez, le gros collier violet et bleu. Alors là, c'est, vous savez, les colliers, les bagues et tout en pâte fimo blanche dans lequel sont incrustés des Swarovski qu'on paye super cher dans les bijouteries quoi. Eh ben, je me suis trouvé une parure. Alors bon, le seul truc c'est que la chaîne elle est merdique hein. C'est une chaîne boule trop genre salut, il est où elles sont où tes clés parce que là t'as un porte-clé autour du cou hein. Oui, effectivement, ça fait porte-clé. Mais avec une chaîne moins merdique, le collier là, la bague là, voilà, voilà. Et les boucles d'oreilles anneaux, elles sont... Alors, les boucles d'oreilles, elles sont terribles. Hein. Et j'essaye de retrouver des choses. Donc, je pense que je vais me prendre des bracelets aussi sur AliExpress. Ils sont à 4 euros, je crois. Je vais m'en prendre 3 ou 4, voilà, pour faire... un peu zébré, il y en aura un blanc, un noir, un blanc, un noir. Voilà, pour faire vraiment la parure. Et alors, les boucles d'oreilles, elles sont top. Elles sont trop belles. Je les trouve trop belles. Je les trouve trop classe. Voilà quoi. C'est le même vendeur. Parce qu'en fait, je me suis trompée. Je vous ai présenté un haul avec des boucles d'oreilles rondes qui vont avec ce haul, enfin, avec ce set là. Et en fait, j'ai mis les boucles d'oreilles rondes que j'ai achetées au même vendeur, mais qui sont pas dans le set. Enfin, clique sur le lien, tu verras tout de suite de quoi je parle. Et donc voilà un petit peu la bête. Voilà, c'est... Alors la chaîne est merdique, hein, ça. Pas de souci. Regardez un petit peu la beauté de ce set. Ça, c'est des choses sur lesquelles je m'arrête toujours en bijouterie, en fait. Mais quand je vois le prix, ben, pour ce que c'est, ça vaut pas le coup. Alors, donc c'est 30 balles, 30-40 balles. Alors que là, pour le tout, j'ai dû payer 11 euros. 11 euros pour le tout. Donc je trouve que c'est vachement plus abordable sur AliExpress. Donc là pour le coup j'ai pas voulu me priver du tout parce que je me suis dit dans les magasins ici ça coûte une blinde. Regardez-moi le pendentif, il est quand même super joli quoi. Et bien foutu, il a de la classe. Ça c'est... voilà quoi. C'est comme la bague que j'ai vue chez Cléor à 35 euros, alors que tu l'as sur AliExpress à 7 euros, la grosse bague à facettes blanches que tu as à plusieurs couleurs là, voilà. Donc, bah écoutez, c'était tout pour ce haul des 7 complets de bijoux. J'espère qu'il vous aura plu parce que quand même, il dure une vingtaine de plus, à peu près 20 minutes. Donc voilà, n'oubliez pas que la vie est belle en rose et on se retrouve en tout cas bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous, bisous, ciao. Have you ever felt? Are you listening? Damn.